à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle séance cardio HIIT full body. On va commencer par un petit échauffement, puis le circuit sans répétition, sans avoir besoin de matériel, juste le sourire. Et on finira par de petits étirements. Let's go! On commence de suite par des petits ronds de bras. Les abdos sont toujours gainés sur tous les exercices. Petit échauffement pour ne pas se faire mal durant la séance. Je m'en voudrais si vous faites mal. En tout cas, je suis contente de vous retrouver comme d'habitude. Allez, on rentre dans sa séance. Et là, on va passer en gainage au sol top sur les mains. Bassin rétroversé, on reste statique. On s'échauffe petit à petit. Et ensuite, on passera sur une petite course à pied, léger pour s'échauffer. Allez, c'est bien. On rentre dans sa séance. Top, on remonte, course à pied. Donc, on y va doucement là. Le but, c'est pas de commencer à fond. On chauffe le corps. On devient de plus en plus chaleureux. Allez, c'est bien. Et on va passer en squat, montée de genoux. 3 secondes. Top, squat. Montée de genoux, coude opposé. Là, pareil, on rentre dans sa séance. Beaucoup de mistral aujourd'hui dans le sud. Allez, descendez dos droit. Abdos gainés. Et les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Dernier. Top. On respire un tout petit peu et on va rentrer dans le vif du sujet avec des exercices de 50 secondes, 10 secondes de repos. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de répétition. On fait l'exercice une seule fois durant la séance. Évidemment, si vous voulez faire la séance plusieurs fois, c'est avec grand plaisir. Hop là. Et là, on va du coup commencer avec box, coup de poing. Allez, on essaie d'être dynamique. Abdos gainés. Droite, gauche. Allez, le cardio va monter petit à petit. Pas besoin de déplier le bras entièrement. Essayez d'être le plus puissant possible. Ça y est, on devrait mettre en place un ring. Allez, abdos gainés. On est dans le contrôle et en même temps, on est dynamique. Sur l'exercice coup de pied, donc une jambe après l'autre. Toujours pareil, abdos gainés, on tient en équilibre s'il faut, top. S'il faut, on peut se tenir au mur ou avec une chaise. Voilà, ce travail d'équilibre et la puissance. Il y a notre pied ennemi en face de nous. Non, on n'a pas d'ennemi, nous. Allez, droite, gauche. On enchaîne. Soufflez bien aussi durant les exercices. N'hésitez pas à prendre une bouteille d'eau avec vous. Pas de vodka, de l'eau. Allez, 5 secondes. Dernier, top. On souffle un petit peu et on va descendre en gainage dynamique et on va remonter en squat. Top. Vous voyez que les 10 secondes passent doucement. Allez, là on est de plus en plus rapide, on rentre dans le vif du sujet.
C'est le moment de tout donner. On se déplie tel un éventail et on remonte. 20 secondes. Notre regard est fixe devant nous. Concentré. 5 secondes. Dernier. Top. On respire un tout petit peu et on va passer en squat, twist. Top. Squat, twist. Pointe des pieds ne dépasse pas, enfin les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Allez, on garde le sourire. Ça fait du bien à notre corps et à notre esprit. Allez, on tient. Solide. Top. On respire un petit peu. On va passer en gainage sur les coudes. Ça va calmer un peu le cardio. Top. Là, le bassin rétroversé. On n'est pas trop haut. Pas trop bas. On tient la force des abdos. Et surtout, respirez bien, les amis. Je vous donne un peu de mon souffle. Allez, on tient. On ne bouge pas. T'es une statue. Ça tremblote. 2, 1, top. On remonte. Et on va passer en montée de genoux. Et je descends la main. Top. Montée de genoux. Oula, je me perds. Allez, un jour après l'autre. On enchaîne ça. Je vais tomber carrément. Coordination. Brûle-graisse. Les mains nous accompagnent.
Donc on monte vraiment la force des abdos. On peut venir toucher entre les pieds si vous voulez. Allez, c'est bien. Encore 5 secondes. Dernier. Top. On va remonter. Hop là. Cette fois-ci, on va faire pas chasser. Top. On vient toucher. Dès qu'on arrive à l'extrémité petit à petit, on vient toucher le sol. On descend dos droit. Allez, pas chasser. Mon tapis est trop petit. Tapis d'Aladin qui bouge. Allez, encore plus rapide. On se donne de l'impulsion. Allez, c'est bien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des exercices. Je vous répondrai avec grand plaisir. Ça donnera de la force. Hop. Squat. Quand on se remonte. Hop. On tend une jambe. Dès que vous remontez, on tend une jambe. On descend dos droit. Sur l'impulsion, ne pas vous appuyer dessus pour remonter. Allez, c'est bien. Encore quelques secondes. Les genoux ne dépassent pas pointe des pieds. Allez, c'est bien les amis. On lâche pas en si bon chemin. Allez, encore 20 secondes. Contractez bien les abdos. Avalez votre nombril. Encore 5 secondes. On remonte puisqu'on va passer sur un jumping jack. Les essuie-glaces, on est gainés. Soyez assez dynamique. Top. Allez, 90% de votre intensité maximale.
Allez les amis, on va finir par de petits exercices abdos. Donc donnez tout. Après on passera au sol, pas pour faire une sieste. Allez, 5 secondes. Top. On va passer au sol. On va venir donner des coups de poing en décide. Top. Donc on est un peu penché vers l'arrière. Et là on donne coup de poing à droite, coup de poing à gauche. Je m'éloigne du mur sinon... Le buste un peu vers l'arrière. Vous devez sentir vos abdos se contracter. Allez, c'est bien. C'est tout boxe aujourd'hui. Tout ça parce que j'ai lu Cri de Troie il n'y a pas longtemps. Allez, 5 secondes. Top. On va passer sur un Russian twist. Jambes levées si vous pouvez, sinon vous pouvez laisser les jambes au sol. Et on va venir tourner à droite et à gauche. Top. Là, si vous voulez rajouter du poids, vous pouvez. Souvent, je prends des poids de 5 kg sur cet exercice. Voilà, vous pouvez toujours rajouter de la difficulté aux exercices ou au contraire les simplifier. Tout le monde fait à son rythme. Tout dépend de votre expérience, de votre niveau. Allez, on tient. 10 secondes. On lâche pas, un si bon chemin. 2, 1, top. J'ai carrément fait le chrono. Cette fois-ci, on va passer en gainage. On va venir toucher son épaule opposée. On gainage sur les mains. Top. Et là, on vient toucher son épaule opposée. On reste en équilibre sur trois pattes. Et pour autant, le bassin ne bouge pas. Bassin rétroversé. Si vous voulez avoir plus d'équilibre sur trois pattes, vous pouvez éloigner les pieds un peu plus. Petite astuce. Allez, on tient. Encore 10 secondes. Qu'est-ce que c'est 10 secondes dans une vie? Si c'est dur, faites
sur les mains. C'est très bien aussi. On est dans le contrôle. Pas besoin d'être très rapide. C'est le dernier exercice. Après, on passera sur des étirements. On tient. 5 secondes. Allez. Top. Ouh. Bien joué, les amis. On va faire rapidement. On souffle un peu. Buvez un petit coup. On va faire de petits étirements. J'espère que la séance vous a plu. Alors, c'est parti. On va venir vers la position de l'enfant. On éloigne ses mains et on vient s'asseoir sur ses talons. On rentre la tête, on pose la tête au sol et on se détend un peu. On a bien profité, on mérite cette petite séance de décontraction. On remonte, on se met à quatre pattes. On vient creuser le dos et baisser le ventre. Allez, on monte le dos et on creuse. Tout en délicatesse. Encore une séance où je finis décoiffée. Ça devient une routine. Je vais mettre du gel. Cette fois-ci, on vient sur son ventre en cobra. On vient étirer tout doucement, mais vous faites pas mal parce que le corps est encore chaud, donc n'étirez pas trop. Et voilà, tout doucement, on vient lever son buste. Et on fait le pharaon. D'un coup, on se retrouve en Égypte. Soufflez bien. On peut se baisser et remonter. Et ensuite on monte, on se remet debout. Et là, on vient étirer un petit peu ses cuisses. Une après l'autre. Monter le genou et on étire cuisses. Juste après la séance, le corps est encore chaud, donc ne forcez pas trop. Et c'est vraiment pour calmer le cardio et s'étirer un petit peu, se décontracter, enlever les mauvais déchets. Et là, on vient, on s'abaisse. Bon, moi, j'arrive pas à toucher mes pieds, mais on descend comme on peut. On respire. On étire un peu ses bras. Et puis on aura fini pour aujourd'hui, les amis. J'espère de tout cœur que la séance vous a plu. Commentez-la, abonnez-vous pour avoir accès à toutes mes séances gratuitement. Et en plus, ça me donnera de la force pour continuer à filmer tous mes entraînements. Prenez soin de vous, faites du sport. Je vous fais de gros bisous.